la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Comment sécuriser notre âme? Vous savez, déjà l'aveu nous introduit déjà mon message. C'est pour dire, nous sommes là, mais nous ne sommes pas en sécurité. Vous comprenez? Nous sommes là, nous ne sommes pas en sécurité. Amen. Amen. La force d'une nation, c'est sa force militaire. On dit qui aime la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas cette force militaire-là, il faut te dire qu'un jour, un bon matin, ils vont venir déstabiliser ton pays. Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans les problèmes des nations, dans le monde entier. Sauf ça, la Corée du Nord, ils ont aujourd'hui fabriqué leurs bombes. Ils sont là. Ils ont la bombe nucléaire. Et quant à cette bombe-là, toutes les nations perdent le temps. Ils se brûlent. Quand tu arrives à cette bombe nucléaire, les gens maintenant ils discutent avec toi, c'est-à-dire ils négocient. Ils ne viennent pas t'embrigander. Vous comprenez? Il y a des armes, quand vous avez ça, les pays les plus puissants sont obligés de négocier avec vous. Pendant qu'ils partent, non, lui il est là, il est serré. Si vous avez essayé, lui vous pour moi, en 5 minutes, il met les États-Unis à terre. Donc les gens sont obligés d'aller doucement à lui. Vous comprenez? Donc, la force d'une nation, c'est la sécurité de cette nation, la protection de cette nation. Quand on a notre argent en banque, c'est la sécurité de notre argent. Regardez comment les gens sécurisent l'argent. Ici, on voit quand on revient d'Abidjan, l'argent qui prend les ABCAO, mais attends, c'est un cortège. C'est pas si vous avez rencontré le cortège. Nous, qui des militaires, l'argent. Bah, ils ne pas suivi, vous voulez. Les bandits vont venir prendre. Le monsieur qui a construit maintenant sa maison, ce qu'il fait, c'est d'abord les barbelés, les fers électriques. Parce qu'il est convaincu que j'ai des faux types qui vont vouloir escalader la clôture. Comme sa maison, elle est, c'est une belle maison, ils savent qu'il y a des bonnes choses dedans, ils vont vouloir escalader la clôture, ils allaient le tuer. Donc, il prévoit ça dans son plan. Quand il fait la maison, il prévoit ça dans son plan. La sécurité. C'est pour ça qu'il y a le ministère de la sécurité. Partout dans les nations, il y a le ministère de la sécurité. Même l'informatique, on dit la sécurité informatique. Il faut protéger les données, il faut protéger l'ordinateur, certaines choses. Donc, il y a toujours ce petit truc. Le seul problème que l'homme a, l'homme ne pense pas à la sécurité de son art. Amen. Amen. De son art. Comment son âme peut être sécurisée? Comment sa vie spirituelle peut être sécurisée? On ignore ça. Comment on ignore? On prévoit tout, sauf ça. C'est-à-dire qu'on prévoit tout. On construit la maison, on prévoit le vigile, on amène une arme automatique de secours dans la chambre au cas où il y a un voleur. Mais et le spirituel? Et le spirituel? On fait tout, mais on ignore le problème. C'est pour ça que l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. L'ignorance, c'est la plus grande des maladies. C'est vrai que ta maison est sécurisée. Il y a tout. Physiquement parlant, tout. Tout est réuni pour ne pas qu'on te vole. Mais et ton art? Somme de 97, à partir du verset 10. Écoutez bien la parole de Dieu. Dis amen. À partir du verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Amen. Amen. Il dit, vous, c'est le mal. Haïssez, il fait de mauvaises choses. Or, on dit, celui qui fait les mauvaises choses, il n'est plus du côté du diable, il est du côté de Dieu. Dieu est obligé de sécuriser ton âme.
Dis Amen. Amen. Dieu est obligé dans l'obligation de sécuriser. Amen. Il dit garde l'âme de ses fidèles. Amen. Qui garde ton âme? That is question. Qui garde ton âme? Et dites-vous qu'aimez le Seigneur, haïssez le mal. Parce que le Seigneur garde l'âme de ses fidèles. Qui garde ton âme? Qui sécurise ton âme? La seule chose qui amènera Dieu à protéger ton âme, c'est lorsque tu quitteras le diable, lorsque tu abandonneras le mal pour faire ce qui lui plaît. En ce moment-là, Dieu sera dans l'obligation de te protéger. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent, les arrache du danger. Qui garde ton âme? Ton âme, là, qui sécurise ça? Amen. Amen. Est-ce que m'écoute ce soir? Amen. Amen. Qui sécurise ton âme? Pendant que toi tu vas dormir, ta porte est fermée. Il y a tout ce qu'il faut pour protéger ton corps, tes enfants. Il y a le chien le plus dangereux de la planète Terre. Mais ton âme. Or, le diable, c'est l'âme qui guette. Qui sécurise ton âme? À partir de là, vous voyez comment la petite fille est la fille dans les aveux. Et comment elle s'introduit. Parce qu'elle expliquait. Hein. Moi, j'ai compris déjà. Comme vous n'arrivez pas à la voir à distance, okay, il fallait maintenant physiquement créer une situation pour que le monsieur parte du côté du diable en chutant, en couchant avec elle, qui deviendra l'inceste. À partir de l'inceste, la détruit. Vous comprenez? Donc, eux, ils créent une situation pour te mettre en désaccord avec Dieu. Pour que tu ne sois pas sur le terrestre de Dieu. Que tu sois. C'est ça qui fait attention à ce que vous marchez. Quand vous sortez, vous marchez avec qui? Quand tu sors, tu fais quoi là-bas? Ah, le soir, les sorciers m'ont attaqué. La nuit, là, je les ai vus. Ils sont venus, ils m'ont assommé. Il faut que tu en sommes. Parce que tu es allé dans le bar, tu as pris de nous quelqu'un. Dieu est dans le bar. Tu as laissé ta femme, tu allais embrasser l'autre. Dieu est dedans. Donc, quand le diable te voit en désaccord avec Dieu, il se sent dans l'obligation de t'attaquer. On dit, pour celui qui quitte le mal et qui fait la volonté de Dieu, son âme est sécurisée par Dieu. Amen. Le diable sait qui est qui. Il nous connaît ce soir. Dis Amen. Amen. Il nous connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous connaît. Qui le diable ne pas manger? Quand on marche dans la rue, là, les sorciers nous convoient. C'est quel mouton ça? Il y a des gens même là, ils sont portés pique. Il y a des gens même souvent, mais quand tu les vois, même, tu vois biche. Et, c'est biche. Et, c'est canard. Ça, c'est bêtard. Ça, c'est porc. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dis, là, c'est porc. Parce qu'il marche là, il est. Ça, c'est porc. Donc, il faut qu'il le mange comme porc au fond. Mais quand t'as dit, tu attaché à Dieu et tu fais ce qui lui plaît, le Seigneur sécurise ton âme. Il sécurise ton âme. Il ne permet pas au diable de venir manger ton âme. Si tu veux que ton âme soit sécurisée, il faut que toi tu deviennes fidèle de Dieu. Amen. C'est tout. Tu rencontres qui dehors, tu fais quoi? Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est être dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que tu fais plaire à Dieu? Il est protège contre les méchants. Il est protège contre les méchants. Il sécurise son âme. Il sécurise l'âme de celui qui l'aime et qui fait sa volonté. Mais il le protège contre le méchant. Il ne permet pas au diable de te détruire. Il ne va pas te convoiter, mais jamais ne pourra te détruire. Parce que toi, quand tu vois ta vie, tu es celui-là qui fait sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est lequel la question ce soir? Amen. 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 Dis à quelqu'un, est-ce que toi tu fais la volonté de Dieu? Il garde l'âme de sa vie. Haïssez le mal. Il y a des gens, ils sont experts en mal. Ils sont experts. Ils veulent détruire. Ils touchent sur le mal. Ils ne méditent que le mal. Tout ce qui est dans ça. On dit haïssez le mal. Qui n'est pas bon, il faut t'éloigner de ça. On dit haïssez le mal. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Haïssez le mal. C'est-à-dire qu'il faut haïr le mal.
Et les gens se trouvent un plaisir d'aller détruire. Et bien, sur leur pensée, c'est de vouloir nuire à la vie des gens. Leur pensée, c'est de voir l'autre chuter. Toute leur pensée, c'est de parler mal de l'autre. Toute leur pensée, c'est de chercher femme de quelqu'un. Il y a des gens, leur spécialité, femme qui est mariée là. C'est là, lui, les gars, ses yeux sont là. Il dit, mais t'es un sorcier. Amen. Amen. On dit, haïssez le mal. Alléluia. Amen. Il garde l'âme de ses fidèles. Il garde l'âme de ses fidèles. Toi, tu es fidèle de qui? La vie, elle était partie à l'église, mais elle était fidèle du diable. Toi, tu es fidèle de qui? C'est-à-dire, tu parles fidèle, ça veut dire quoi? Tu écoutes qui? La volonté de qui tu fais? Tous les matins, est-ce que tu veux au goût de Dieu? Est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu? Est-ce que quand vous êtes quelque part dans une assemblée avec les gens, est-ce que toute ta pensée là, c'est de faire la volonté de Dieu? Il garde l'âme de ses fidèles. Il sécurise ses fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je touche les doigts. Si la guerre se déclenche en Côte d'Ivoire, les États-Unis vont envoyer, prendre leurs ressortissants partis. Les Français vont prendre. Combien? Ils vont venir les prendre. Des Français, qu'est-ce qu'ils prouvent? Voici ma carte. Ils vont les prendre. Et puis nous, maintenant, entre nous, maintenant, on va gérer ça. Tu leur vider leurs ressortissants. Amen. Amen. Dans mes quartiers, quand il y a une situation bizarre, c'est le fidèle de l'Éternel qui protège. Les choses vont venir, mais si tu es fidèle et l'Éternel, Dieu ne permettra jamais que ces flots frappent à ta porte. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Amen. Il ne permettra jamais. Non, parce qu'il va se sécuriser. Mais est-ce que tu haïs le mal quand tu travailles dans ton service? Est-ce que ta pensée, elle est pure? Cette pensée-là, elle est une pensée qui est connectée à Dieu, qui cherche toujours à faire la volonté de Dieu. C'est ça le problème de nous. Est-ce que nos pensées sont les pensées de Dieu? Est-ce qu'on ne pense que Dieu? Le diable nous connaît. C'est ça qu'il faut changer de position. Qui a quelqu'un change de position? Qui a quelqu'un change de position? Alléluia. Amen. Dieu ne protège pas n'importe qui. Je suis désolé. On dit l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Le témoignage des aveux de la fille et de sa grand-mère introduit mon message. Ça introduit mon message. C'est tout, ça introduit mon message. Elles ont vu que la meilleure manière de la voir, c'était de créer une situation pour que le monsieur chute. Une fois chuté, il commence déjà à faire le mal, on prend son âme. Et ça a échoué parce que c'était un homme de prière. Il s'est déjà, il s'est déconnecté pas de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu es fidèle de Dieu? Est-ce que tu es fidèle de Dieu? C'est ça le problème. Après ça, on va revenir, demain on va revenir si la fête de l'onction d'huile, en quel moment ça doit intervenir, on reviendra là-dessus. Maintenant, la chose de base, le précis, c'est d'être connecté à Dieu. Amen. La Amen. Sécurité de l'âme, la sécurité de nos biens, tout commence par le spirituel. D'abord le spirituel. Est-ce que quand tu es là, tu te poses la question, est-ce que vraiment je suis sécurisé? Je vais au funérailles, est-ce que vraiment je suis protégé? Protégé, là, c'est pas prendre les amulettes. Est-ce que Dieu me protège? Sinon, il faut chercher à plaire à Dieu. Le jour où tu chercheras à plaire à Dieu, fais des choses que Dieu veut, il sera lui dans l'obligation. Ça veut dire ça va à te protéger. Amen. Tu m'as bien compris. Amen. On va au funérail, c'est là le sorcier nous bip. Comment est-ce qu'on peut bipé pendant le funérail? Ah, j'ai des flashs. Où le sorcier m'a pris? Mais attends, comment un chrétien, quelqu'un qui est. Il parle comme ça. Comme si Dieu était là, puis il dit au diable, il faut le tuer. Non, c'est quand Dieu sort de ta vie que le diable a accès à ta vie. Toutefois que Dieu te rend dans ta vie, le diable ne pourra rien contre toi. Dis amen. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera donc contre moi? Si Dieu est dans ta vie, le diable ne pourra rien contre toi. C'est que toi, c'est à lui qui appartient la vie, à l'Éternel qui appartient la vie, toi. Le jour où ta vie, quand Nathan le prophète est venu parler, il s'est mis en genoux, il a commencé à pleurer. Il dit, je te supplie Dieu,
ne te retire pas du monde. Amen. 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 Et ne lâche pas ton esprit, cher. Ne te loin pas de moi. Quand Dieu se loin de toi, tu es exposé à tes ennemis. Quand Dieu s'est loin de toi, tu es exposé à tes ennemis. C'est nous qui allons faire que Dieu va s'éloigner de toi. De nous. Sinon, quand tu acceptes le Seigneur qui vient dans ta vie, il est là. Jusqu'à ce que toi-même tu lui dises, quitte ma vie. En t'attachant, faisant une autre alliance avec le diable. En faisant une autre alliance avec le diable. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont plus. Parce que leur ministère, c'est dénigrer les gens. Leur ministère, c'est insulter les gens. Leur ministère, c'est faire autre chose. Quand tu relèves la vie, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais Dieu s'est retiré de ta vie. Lorsque Saül a désobéi au Seigneur, Dieu s'est retiré de Saül. Et David a vu la vie, ce qu'est la vie de David. Saül est devenu. Il a vu l'homme à qui Dieu a arraché son esprit. Il a vu l'homme à qui Dieu s'est retiré. Il a vu comment l'ennemi, Dieu a livré Saül à ses ennemis. Or Dieu dit, si tu obéis à ma parole, tes ennemis deviendront mes ennemis. Amen. Tes ennemis deviendront mes ennemis. Pourquoi vous échouez dans le combat? Pourquoi votre âme n'est pas sécurisée? Pourquoi? Pourquoi le diable a facilement accès à ton âme? Pourquoi il a facilement accès à toi? Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu est absent de ta vie à cause du mal. Il dit haïssez le mal. Il est convaincu que toi, parce que le père du mal, c'est le diable, il est convaincu que tu es avec lui, tu es son fidèle. Donc il fait ce qu'il veut de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, dans Jean le chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que voler, égorger et détruire. Lui joue pleinement son rôle de destructeur. Lui détruit. C'est ton ministère, le diable, c'est la destruction. Amen. Amen. Est-ce que tu penses à la sécurité de ton âme? Est-ce que tu veux, est-ce que tu penses, parce que tu peux être dans une maison, tu peux avoir tout, mais ton âme ne peut ne pas être en sécurité. Oh, le diable, on l'appelle mangeur d'âme. C'est l'âme qui mange. Il peut traverser le mur, aller te manger. Malgré toutes les âmes que tu as autour de toi, physique, mais le spirituel n'est pas en sécurité. Parce que si l'Éternel ne veille sur une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la veillent veillent en vain. Qui est dans ta chambre? Qui veille sur toi pendant que tu dors? David dit dans le psaume 4, le verset 9, je me couche, je m'endors en paix, car au toi l'Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Pendant que je suis là, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche, je m'endors en paix, car toi Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Les gens, ils prennent des amulettes. Vous prenez les gnani, vos barres, vos toits sont pleins de barres. Vous vous lavez avec Nasuki qui sent du cendre et déchets de sorciers sur toi. Ça ne peut te protéger. C'est l'Éternel. Mais pour qu'il soit vivant dans ta vie, pour qu'il assure ta sécurité, il faut que toi, tu lui donnes cette occasion de l'avoir dans ta vie. Amen. Et de t'éloigner de ce qui ne glorifie pas son nom. Il dit, haïssez le mal. Amen. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, haïssez le mal. Il y a des personnes, quand tu vois, tu sais que lui, là, non. Lui, il n'est pas avec l'Éternel, non. Le comportement qu'il a, il est le comportement des diables. Il a le comportement d'un pécheur, il a le comportement de quelqu'un qui appartient au diable. Bien qu'il soit chrétien. J'ai dit, moi, l'étiquette chrétien, ça ne me dit pas grand chose. Mais la chrétiennité, c'est dans le comportement. Amen. Amen. C'est dans le comportement. Amen. Amen. C'est tout. C'est Judas qui a trahi Jésus. C'est Judas qui a trahi Jésus. Est-ce que tu es le mal? Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, frère, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. La présence de Dieu dans la vie de l'être humain, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Quel est en toi, frère, tu commences à haïr le mal. Si aujourd'hui, les choses du monde t'intéressent, ça veut dire que Dieu est quelque part absent de ta vie. Parce que quelqu'un dont Dieu est présent dans son cœur, dans son âme, il va commencer à haïr tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. L'alliance que Dieu avait avec Israël, c'est une alliance d'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que ce que tu fais, tu es convaincu que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que tu consultes l'Éternel? Est-ce que tu consultes Dieu avant de faire quoi que ce soit?
Est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Il faut revoir ta vie. Dis à quelqu'un, revois ta vie. Amen. Amen. Oh, je veux que tu me bénisses. Je suis trop attaqué. Les sorciers sont venus comme la vieille. Ils l'ont mis comme cannibale. Comment toi, tu es un être humain et tu es dans un us des sorciers? Comment vous comprenez ça? Tu es étouffé là-bas. Est-ce qu'un us, c'est une bonne chose pour que quelqu'un soit dedans? Tout ce qui est sans, c'est les odeurs. Anus, il y a toujours odeur là-bas. Et c'est dans ça on te met. Pour sorcier. Oui, bénédiction, tu vas. Tu m'as dans la rue, mais tu n'es pas en sécurité. Ton âme est dans anus. Tu m'as dans la rue, oh, ton âme est dans une bouteille. Tu es dans la rue, on te voit, mais tu es déjà mort. Parce que spirituellement parlant, ils peuvent te tuer. Tu es déjà mort. Ton âme est déjà détruite par la sorcellerie. C'est fini. C'est les mises en scène. Les accidents sont les mises en scène. Tu vas dormir, tu fais les AVC. C'est les mises en scène. Les maladies incurables, telles que le sida, telles que le cancer, c'est les mises en scène. Quand le sorcier commence à t'avoir, il va te donner une maladie qu'on ne peut guérir. Une maladie bizarre. Quand vous voyez une maladie étrange, que la, qui dépasse la compréhension de la science, des médecins, ça veut dire que le problème que tu vis est un problème spirituel. Un problème d'ordre spirituel. Il n'y a que Dieu qui peut sécuriser ta vie. Quand on dit ça. Les finances n'arrivent pas. Tu n'arrives pas à jouer les dévots. Si l'Éternel bénit même 100 francs, c'est 100 francs, tu peux marcher avec ça. Amen. Si Dieu, c'est tout. Est-ce que Dieu est avec toi? Saül avait peur de David parce qu'il constatait que l'Éternel était avec David. Le sorcier Saül, c'est ce qu'il allait voir demain. Saül a constaté que, attends, nous vivons dans la même maison. Je suis le roi. Le méchant qui est là, je constate que tout ce qu'il touche, lui réussit. Il est dans la même manière d'un sorcier. Mais David était béni. Le sorcier constate. C'est le sorcier. Mais c'est vous qui avez peur des sorciers. Le sorcier constate que David, le petit David, dans sa maison, il s'éloignait de David. Pourquoi? Parce qu'il constatait que la présence de Dieu était dans la vie de David et que tout ce qu'il touchait, le réussissait. Est-ce que Dieu est avec toi? Amen. On veut que Dieu nous guérisse, on veut que Dieu nous délivre, mais jamais on a pensé, on ne cherche même pas un instant de chercher à voir Dieu venir dans notre vie. Avoir Dieu dans notre vie. Nous sécurisons notre argent, nous faisons tout, mais la sécurité spirituelle, ça ne nous intéresse pas. Il faut changer de position. Dis amen. Amen. Il y a quelqu'un qui change de position. Change de position. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est tout. Parce que ce que tu fais, est-ce que tu es dedans? Dans la manière que tu vis là, toi-même, est-ce que tu es convaincu que c'est la vie de quelqu'un qui a Dieu? Est-ce que ce que tu fais, c'est tout ça normal? Est-ce que tu apprécies ce que tu fais? Est-ce que la vie que tu mènes là, est-ce que tu apprécies ça? Sinon, il est absent de ta vie. Et quand tu es absent de ta vie, c'est la pauvreté, la misère, l'échec, le non-aboutissement. Amen. Amen. C'est ça que David revient, il dit, le même David ici, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bien, c'est que tout le monde connaît, le 160, verset 14, il écrasera nos ennemis. Pourquoi vous avez peur? Les gens, ils ont peur. C'est vrai, ils ont peur. La sorcellerie, il fait peur. Mais et Dieu, il est avec toi. Soyez vous marchez avec quelqu'un qui est fort. Et puis, vous voyez quelqu'un là, qui est plus maigre que celui qui est avec toi. Et toi, tu as peur. Ça veut dire que tu ne considères pas celui qui marche avec toi. Amen. 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 David, la vie de Goliath n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de Goliath. Non. Les gens avaient peur. C'était normal que Saül ait peur de lui. Parce que Dieu avait déjà abandonné Saül. Mais il regardait Goliath. Il a une autre manière de voir Goliath. Il voyait Dieu dans sa vie. Et Dieu, dans l'absence de la vie de Goliath, donc il a dit, c'est à l'Éternel qui a apporté la victoire. La victoire, là. Comment commencer? C'est pas gagner avec quelqu'un. Hein? Il y a des gens qui me suivent chez l'Éternel, derrière le prophète, un fétiche a frappé le prophète. Il dit, mais qui a gagné? Amen. Quelque chose dit, ça m'a frappé, mais qui a gagné? Amen. C'est la victoire qui compte. Quand on rit dans un combat de boxe, c'est la victoire qui compte. Même si ta bouche est tordue à la fin du combat, mais tu as gagné.
Amen. Tu as gagné le combat. C'est ça qui nous intéresse, la victoire. Qui a gagné? Amen. Amen. J'ai vu une image, quelqu'un même là, on dit la gagne, bouche les cas, ton nez est cassé. Quoi. Donc j'imagine son adversaire qui l'a vu. Dans le coma. Amen. Amen. Qui a gagné? La sécurité de ton âme. Est-ce que tu penses à ça? Tu penses à tout sécuriser? Non, il faut que mes enfants réussissent demain. Mais est-ce que tu penses à la sécurité de ton âme et de ta personne spirituelle, le spirituel? Et tu penses à ça? Les gens appellent confier leur projet à Dieu. Ça ne leur intéresse pas. Ils commencent le projet. C'est quand ça se gâte, tu te souviens que il fallait confier ça à Dieu pour sécuriser ça. Mais c'est dangereux. Il faut commencer par la sécuriser la chose. Vous ne savez pas dit comment de commencer même un commerce. Il faut faire une offrande par rapport au commerce qu'on commence, qu'on démarre. Vous voulez faire une activité. Alors faites une offrande d'alliance par rapport à ton commerce. J'ai envie de faire un business. Je fais l'offrande. Quand je mets un enfant au monde, je le consacre à Dieu. On verra là-dessus les éléments qui suivront à part la sécurité, on a parlé de n'est-ce pas l'amour et qu'on a pour Dieu. Ça, c'est un élément. Après, on va profiter demain pour parler de ce qui rentre en ligne aussi, tel que la consécration, certaines choses. Mais la sécurité, est-ce que tu penses à ça? Si c'est pas sécurisé, le diable vient gâter. C'est comme ça. Si les gens n'ont pas peur de vous, pas venir vous détruire. Chaque nation regarde la capacité des frères de l'armée de son voisin. Le pays, on dit, ah lui là, ils ont. C'est que non. Parce que quand ils étudient, c'est ce qu'on appelle l'espionnage. Ils s'espionnent. Hein. La Russie, les Américains s'espionnent à tout moment. Ils ont fabriqué des armes. C'est ça qui fait qu'on dit, non, on n'a pas peur de vous, vous parlez, on va parler. Parce que si vous essayez, on va vous bombarder. Quand il passe à dire rien au diable, parce que tu n'as pas l'arme chimique, l'arme nucléaire spirituelle, ce n'est pas chez toi. Toi, tu as un pistolet de 12 coups. Ça fait quoi, diable? Ma chef là, c'est comme le fourreau banal, ça dit ça n'est qui, c'est pas visé. Amen. Amen. Là-bas. La sécurité là-bas. Le diable il réagit son, il dit non, lui, la Dieu a son de sa vie. Il faut qu'il le mange. Amen. Amen. Lui, il faut qu'on fasse beaucoup de bonbons. Il faut qu'on fasse copain. Et qu'on le mange. La sécurité. Amen. Amen. La sécurité de ton âme. Qui sécurise ton âme? La première condition, c'est de haïr le mal. Frère, il faut haïr le mal. Dis à quelqu'un qu'il faut haïr le mal. Haïr le mal. Dis à quelqu'un qu'il faut haïr le mal. Haïr le mal. Comment parler mal de quelqu'un? Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais m'asseoir, aller parler des gens. Et les gens, tous les pensées, ils sont toujours en train de parler de quelqu'un. Ils sont toujours là. C'est eux toujours qui trouvent quelque chose à dire dans la vie de quelqu'un. Toujours. Qu'ils pensent d'autres choses. La volonté de Dieu, ça ne leur intéresse pas. Moi, mon rêve, c'est d'avoir beaucoup d'argent et d'aider les pauvres. Je dis ça toujours à Dieu. Amen. Je dis, je veux avoir assez d'argent et puis aider les pauvres. Amen. C'est ma vision, ça. Avoir beaucoup d'argent et puis aider les pauvres. Je veux comme Dieu, qui aide toujours les gens. Il faut avoir cet esprit-là d'aide. Il faut toujours aider les gens. Il faut toujours apporter de l'aide, assister les gens dans les moments difficiles. Il faut les aider, il faut avoir cet esprit. Il faut haïr le mal. Il ne faut pas toujours être là, toujours à la base du mal, du danger. Il faut haïr ça. Il faut aimer son prochain. Il faut toujours être prêt à aider les gens. Il faut haïr le mal. Il faut bannir ça de ton esprit, de ta pensée. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut être attention. En ce qui tourne autour de vous, vous allez constater qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours prêts à vous aider. Ils ne sont pas prêts à vous aider. Écartez-le de, annulez-le de votre vie. S'ils ne sont pas prêts à vous aider, c'est eux qui sont à la base de votre chute. Quand il y a un conseil que quelqu'un parle trop mal de moi, je m'éloigne de lui. Je m'éloigne de lui. Amen. Amen. C'était pour prier.